Bonsoir tout le monde, je suis Franco Loli, je suis le réalisateur de Gente de Bien. Malheureusement, j'ai pas pu être avec vous ce soir pour des questions de rendez-vous qui se croisaient et parce que je suis en Colombie donc. Donc j'ai même pas pu être là sur Skype. J'aurais vachement voulu échanger avec vous. C'est surtout au cinéma Louis d'Aquin, qui est un cinéma que je connais bien parce que on a montré le résultat d'un atelier qu'on a fait au collège pas loin. Et c'était très très chouette avec des gens du quartier. Je voulais juste vous dire que c'est un film extrêmement personnel, qu'il naît de sentiments très profonds de mon enfance, ici à Bogota, et que je suis content de vous le faire découvrir, que ce qui compte pour moi au cinéma, plus que toute autre chose, sont les émotions, et les émotions profondes. Et j'espère que vous en aurez. Pendant la projection. Et quoi vous dire d'autre? C'est un film tourné majoritairement avec des non-professionnels. Presque tous les acteurs sont non-professionnels, sauf une actrice que vous reconnaîtrez sans doute. En tout cas, vous verrez que c'est la non-professionnelle, ou peut-être pas, je ne sais pas. On a fait un casting très très long pour arriver à ce film, 7 mois de casting. Et on a eu la chance de trouver des comédiens qui collent bien à leur personnage. J'espère que vous serez d'accord avec ça. Donc, comme vous n'avez pas pu me rencontrer aujourd'hui, et c'était un peu l'idée de cette soirée, je vous propose d'au moins voir un peu à quoi ressemble chez moi, et aussi Bogota, donc ma ville. Donc je vous montre. Voilà, ça c'est les. C'est les montagnes de Bogota. Ça, c'est un quartier résidentiel assez typique de la ville. Ça, c'est mon appartement, donc. Et je vais aller jusqu'à vous montrer la chose la plus importante, même si ce n'est pas une chose. C'est mon petit chien que j'ai adopté il y a quelques mois. Et vous verrez que ça a une résonance importante avec le film. Attends. Salut. Voilà. Donc j'espère que vous aimerez le film. Je vous souhaite la meilleure projection du monde. Et je tiens à remercier donc le cinéma Louis d'Aquin de m'avoir invité, même si je ne peux pas être là. Et donc notamment Corentin. J'espère que le film vous plaira. Et à bientôt, sans doute.